Équilibrer la charge de travail des étudiants et étudiantes dans l'enseignement à distance. En raison du contexte actuel, votre enseignement a dû être basculé en ligne et à distance en quelques jours seulement. Les changements liés à cette nouvelle modalité ont bien entendu impacté vos étudiants et étudiantes. Ils font notamment écho des difficultés qu'ils rencontrent actuellement par rapport à la charge de travail qui leur est demandée. En effet, bon nombre d'entre eux se retrouvent avec beaucoup de ressources à consulter sur Moodle, notamment des PowerPoint commentés, des articles ainsi qu'un grand nombre de visioconférences programmées. Toute cette masse d'informations et de contenus à consulter, qu'il faut multiplier par le nombre de cours qu'ils suivent, représente pour eux une source de stress importante. Alors, comment pouvons-nous les aider à réduire leur stress et comment pouvons-nous améliorer la gestion de la charge de travail liée à nos cours? Nous vous proposons quelques pistes via les recommandations qui suivent. Tout d'abord, quand on parle de charge de travail, il est possible de se référer à l'étalon qui fait foi dans notre système universitaire, l'ECTS. ECTS vient d'European Credits Transfer System et le terme est apparu en 1989. Il a été créé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus. Un ECTS représente entre 25 et 30 heures de charge de travail pour les étudiants et étudiantes. Cette charge de travail comprenant toutes les activités d'enseignement, qu'elles soient synchrones ou asynchrones. Il s'agit notamment des heures de cours qu'ils suivent en présentiel, des lectures à réaliser, des exercices et activités d'études en lien avec la maîtrise des compétences entraînées dans nos cours, et ainsi de suite. Donc, pour calculer la charge de travail de nos étudiants dans le cadre de nos cours, il suffit de multiplier le nombre de crédits ECTS attribués à notre cours par 25. Par exemple, si je suis titulaire du cours d'économie internationale et que 6 crédits ECTS lui sont attribués, la charge de travail attendue pour mes étudiants sera donc de 150 heures pour le semestre. Une fois que nous avons pleine conscience du nombre d'heures de travail que l'on peut affecter à nos étudiants, nous pouvons passer à l'étape suivante, celle de la planification. Dans le cadre d'un cours en ligne, nous vous conseillons de découper votre cours en petits blocs ou en petits modules. Ils seront plus faciles à concevoir, à agencer et à suivre pour vos étudiants. Vous pouvez aussi proposer à vos étudiants une planification type par semaine avec des activités et des exercices à réaliser de manière systématique. Afin d'éviter ce que l'on appelle communément une surcharge cognitive chez vos étudiants et étudiantes, pensez à la manière dont vous allez délivrer les informations et les consignes. Celles-ci doivent être claires, aller droit au but et éviter les répétitions inutiles et les informations parasites. Passons maintenant aux ressources et aux activités. Vous pouvez alléger la charge de votre cours pour vos étudiants en proposant une variété de ressources afin de soutenir un parcours de formation différencié. Attention toutefois de préciser qu'il n'est pas nécessaire de tout lire. Pour aider vos étudiants à faire le tri, vous pouvez par exemple indiquer les ressources qui sont principales. Sélectionnant des moments synchrones ou asynchrones en fonction de vos objectifs et de vos besoins. La modalité asynchrone permet à vos étudiants d'avancer à leur rythme et d'être confrontés à des contenus et ressources variés. Vous pouvez notamment l'utiliser pour présenter les contenus de votre cours via 1. Des articles ou des dossiers de lecture. Sur ce point, vous pouvez estimer le temps de lecture indicatif et le préciser à côté de chaque document. Un bon niveau de lecture correspond à environ 300 mots lus par minute. Pour un texte de 6000 mots, on peut donc estimer que sa lecture prendra, en moyenne, 20 minutes à vos étudiants. 2. De courtes vidéos ou screencasts d'une durée maximale de 6 à 9 minutes, voire 12 à 15 minutes pour un public plus expert. Les vidéos doivent s'appuyer sur une narration verbale soutenue par du visuel, par exemple des pictos, des schémas ou encore des mots-clés. 3. Des dossiers de vidéos existantes et choisis suivant leur qualité, durée, clarté. La durée des vidéos est également un indicateur de charge de travail nécessaire pour vos étudiants. Nous vous conseillons d'utiliser la modalité synchrone pour des sessions de questions-réponses ou pour des démonstrations ou autres débats. Ces sessions ne devraient pas dépasser 45 minutes et nous vous recommandons de les enregistrer afin de permettre aux étudiants et étudiantes absents d'y revenir plus tard. N'oubliez pas de proposer des pauses durant ces sessions. Maintenant que nous avons couvert les modalités en lien avec les contenus, abordons ensemble la question des activités. Vous pouvez profiter des possibilités de la plateforme Moodle pour proposer des activités courtes et variées comme des quiz, des devoirs, des annotations de vidéos, des débats sur le forum ou encore de la simulation. Proposer une micro-activité par semaine et peut-être une activité plus complexe étendue sur l'ensemble du cours peut contribuer à une meilleure répartition de la charge de travail de vos étudiants et structurer la répartition de leur charge de travail.
Après les activités, réfléchissons ensemble sur la communication. Que ce soit pour des questions de motivation ou de compréhension des tâches demandées, voire de recours au pair, il est important, voire primordial, de maintenir un contact constant avec vos étudiants et étudiantes lorsque l'on dispense son enseignement en ligne. Afin que cette communication se déroule dans les meilleures conditions, nous vous recommandons de réaliser une charte de communication en ligne, d'assurer votre présence dans votre cours en ligne via, par exemple, un court message d'accueil en début de semaine pour rappeler les consignes de travail et le déroulement attendu de la semaine. Ce message peut avoir une forme textuelle mais aussi vidéo. Il est important de limiter à un message par semaine. Vous pouvez aussi proposer des permanences ou un espace d'échange pour recueillir les retours et les soucis potentiels rencontrés par les étudiants et étudiantes. Ou poster un bilan de la semaine tous les vendredis. Cette communication si importante, vous pouvez aussi la proposer entre vos contenus et vos étudiants via la multiplication des feedbacks. En effet, il est important de multiplier les sources de feedback dans votre cours afin de créer une interaction entre vos contenus et vos étudiants, mais aussi afin d'aider vos étudiants à mieux situer leur maîtrise des connaissances et compétences visées. Vous pouvez par exemple offrir des feedbacks personnels via des sessions de questions-réponses ou des annonces, mail ou courtes vidéos de retour sur des débats organisés, des travaux rendus, etc. Des feedbacks par les pairs via l'organisation de débats ou sur des devoirs ou d'autres travaux corrigés par les pairs sur Moodle. Des feedbacks automatiques via les corrections automatiques des tests que vous pouvez construire sur Moodle. Mais attention, pour ces trois formes de feedback, il est important de garder en mémoire que c'est la qualité des feedbacks remis qui réduira la charge de vos étudiants. Proposer des corrigés types, des renvois à la matière à maîtriser ou encore des conseils ciblés sont plus importants que de transmettre simplement si la réponse était bonne ou mauvaise. Avant de terminer cette capsule, il reste un dernier point sur lequel il est important d'être attentif. Je parle des aspects programme. Pensez à communiquer un maximum d'informations sur les modalités de votre enseignement aux responsables de cursus et de programme de votre école ou faculté. Et dans la mesure du possible, tentez de réguler vos enseignements en collaboration avec vos collègues qui enseignent dans le même cursus que vous. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous à la prochaine capsule qui traitera des usages de la vidéo dans vos enseignements.